Bonjour, mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Marguelé, a visité ce matin les nouveaux logements sociaux construits au PK 13. Également dans l'actualité, pose de la première pierre d'une fabrique d'acier. Pour le sommaire, bienvenue à tous. Un logement décent pour chaque famille, les programmes d'investissement, de renforcement de nos infrastructures de base, synonyme des décollages économiques, construction de routes, d'aéroports, de voies ferrées, de zones portuaires, tous ces moyens et outils qui confortent la place financière, économique, de services et d'appui logistique n'occultent en rien l'autre volet d'un développement durable. Celui donc de répondre aux besoins essentiels des concitoyens, assurer donc leurs droits au travail, au logement, à l'éducation, aux soins médicaux. Le chef de l'État mène ainsi de front toutes ses batailles pour à la fois faire émerger Djibouti et la sortir du sous-développement économique et vite satisfaire ainsi les Djiboutiens pour qu'ils se sentent plus vivre donc dans le doute et la précarité. Le droit à l'éducation a ainsi été imposé et garanti. Les écoles ont partout poussé, puis après les lycées et les collèges sont sortis de terre, l'université et l'école de médecine, les droits aux soins ou aux traitements médicaux élargis à une couche plus importante de la population, les réseaux de distribution de l'eau ou de l'électricité chaque jour étendus, le respect des droits de la femme défendus et reconnus, illustration évidente du souci du chef de l'État à garantir et concrétiser en actes palpables les droits économiques, sociaux de ses concitoyens. Il a procédé donc aujourd'hui à l'inauguration d'un bloc de logements sociaux au profit des jeunes ménages. 540 logements sont ainsi en voie de finition à l'ouest de PK12, en bordure de la route de Doralé. Ils s'ajouteront donc aux quelques 3210 autres logements sociaux en construction au PK13 au profit des Djiboutiens aux revenus moyens ou modestes. Ces logements vont du F2 au F4, soit de 2 à 4 chambres avec cuisine et toilette. Leurs financements ont été obtenus grâce à la mise en place du programme dit Programme d'investissement national ou PIN, ainsi que grâce au soutien des généraux pays donateurs du Golfe en tête desquels se trouvent l'Arabie Saoudite et le Koweït. Ce matin donc, en compagnie de la Première Dame, le chef de l'État a visité le chantier de construction de ces 540 appartements dont un bloc a été achevé. 108 appartements seront du type F2, 216 de type F3, 216 autres de type F4. Les financements de ce projet d'un coût estimé à 2,534 millions de nos francs a été obtenu grâce à un financement de la BOA, la Banque of Africa Mérouge. Le chef de l'État a été accueilli sur place par la secrétaire d'État au logement, Madame Amina Abdi, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, et de nombreux invités présents à cette journée. Rappelons que ces appartements donc sont issus de 108 appartements de type F2, 216 de type F3, 216 autres de type F4 et il a été financé à un coût estimé à 2,534 millions de nos francs et a été obtenu donc grâce à un financement de la BOA. Ces 540 logements donc, sont ainsi en voie de finition. Ils sont situés à l'ouest de PK12, le point kilométrique numéro 12, en bord
bordure de la route de Doralie. Ils s'ajouteront à quelque 3210 autres logements sociaux en construction au PK13 au profit des Djiboutiens aux revenus moyens ou modestes. Ces logements vont du F2 au F4, soit de 2 à 4 chambres avec cuisine et toilette. Leurs financements ont été obtenu grâce à la mise en place du programme dit Programme d'investissement national ou PIN, ainsi que grâce au soutien des généreux pays donateurs du Golfe, en tête desquels se trouvent l'Arabie Saoudite et le Koweït. Eh bien, la secrétaire d'État au logement a permis aujourd'hui au chef de l'État de visiter le premier bloc de logement totalement finalisé et qui sera habitable dans les prochaines semaines. Au total, 540 appartements seront mis à la disposition des Djiboutiens. C'est ce qu'a annoncé la secrétaire d'État, Mme Amina Adi. Je vous propose de le suivre. mushaaradoodu ka yartahay ilaa 100 kun oo maxay dhahay French beauty waxa weeyaan de waa sawirkii horeeyay sida loojmo socioga wadanka la doonayo in loo sameeyo waya waxa halkan ka arkayseen waxay ka koobantahay mandaradihii waxay ka koobantahay meeshii gardiyaga la dhigayay waxay ka koobantahay dhulkii ay caruurtu ku nafisayseen dadku ku nafisayeen waxay ka koobantahay meeshii ay ku shireeyeen dadka xaafadu ay de maxay dadana xaafadooda kaga sheekaysanayeen marka halkan waxa ka socda mashruuc iminka gacanta lagu hayo 504 qala waxa kale ku xigi doona mashruuc kale oo anagu lacagteedii iminka hayno 4 kun oo aqal halkan laga dhisi doono laakiin xaafadan waxa la socda oo kale jagooyin iyo aqal kale oo dad hayntoodu inta ka badan tahay iyo maayac mushirka dhulkeedii wixii oo dhan dariiqadii loo maxayday gudroonin doono wax kasta ayay maxayday waxa la wixii u baahan tahay wajiga magaalada ayaa halkan laga wadaa. Le président Guélé a ensuite procédé à la pose de la première pierre de construction d'autres logements sociaux. Au total, plus de 3200 logements donc seront construits. Leur financement a été obtenu. Il sera mené dans le cadre du programme national d'investissement et se décline de la manière suivante. 130 appartements financés par le Koweït, 180 appartements financés par l'Arabie Saoudite, 1003 appartements financés sur crédit à taux préférentiel obtenu par le Fonds saoudien de développement, le FSD, et enfin 1000 autres logements obtenus grâce à un financement à crédit avantageux du Fonds arabe de développement économique et social, le FADES. Eh bien, au total, donc, 3200 logements seront construits. Leur financement a été obtenu. Il sera mené dans ce cadre du programme national d'investissement et se décline de la manière suivante. Je vous rappelle, 130 appartements financés par le Koweït, 180 appartements financés par l'Arabie Saoudite, 1000 autres appartements financés sur crédit à taux préférentiel obtenus par le Fonds saoudien de développement, le FSD, 1000 autres logements obtenus grâce à un financement à crédit avantageux du Fonds arabe de développement économique et social, le FADES. iyo iyan soo dhignay meji mikaani soo dhignay Kuwait laba Kuwait iyo laba Saudi inta kalena way daba socotaa ilaa 4 kun 10 kun oo kalena kala dambe haddii la ilaahdo waan dejinay. C'était donc dans le titre, le chef de l'État a annoncé officiellement les travaux de la mise en place de la première aciérie du pays, dénommée Djibouti Steel Factory. Celle-ci sera construite au poste kilométrique numéro 15, soit à une quinzaine de kilomètres du centre-ville, dans la commune de Balbala.
Cette usine donc sera la première du genre à Djibouti. Elle sera une filiale de la société Emirati Al Nasser Holding Group. Cette société qui a été fondée en 1992 à Abu Dhabi. Le récit de cette journée avec Asma Boubaker. Nous sommes ici à PK15, où une usine de production qui va fabriquer de l'acier made in Djibouti verra le jour. Le président de la République va procéder à la pose de la première pierre. Le chef de l'État a officiellement lancé les travaux de Djibouti Steel Factory. À son arrivée, le président de la République, Ismaïla Marguelé, accompagné de son épouse, la première dame du pays, Madame Khadra Mahmoud Haïd, a été accueillie par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, par le préfet de Djibouti-Ville, Moumine Ahmed Cheikh, ainsi que par le PDG de la société Al Nasser Holding Group, Abdallah Nasser Al Mansouri. Les habitants de PK15 sont venus en masse et ont réservé un accueil des plus chaleureux aux chefs de l'État. Outre le couple présidentiel, était présent à cette cérémonie de lancement de travaux le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement et de nombreux invités. Cette usine est la première du genre à Djibouti, une branche de la société Emirati Al Nasser Holding Group, une société qui a été fondée en 1992 à Abu Dhabi. Cette future usine dont les travaux seront finalisés dans 6 mois est implantée au PK15. Sa matière première est constituée essentiellement de plomb. L'usine de fabrication d'acier dont le chef de l'État a lancé les travaux ce lundi permettra de satisfaire les besoins locaux en minimisant les coûts. Avec à ses côtés le ministre de l'économie et des finances et le président directeur général de la société Al Nasser Holding Group. Le numéro 1 djiboutien a ensuite reçu les explications nécessaires quant au fonctionnement de cette fabrique d'acier. La réalisation de cette usine est le résultat de la politique d'investissement initiée par le chef de l'État qui ne cesse d'attirer des investisseurs étrangers, les Émirats unis dans le cas actuel. Entamant la série des interventions, le président directeur général de la société Emirati Al Nasser Holding Group, Cheikh Abdallah Nasser Al Mansouri, a indiqué que la filière qu'il dirige était déjà implantée dans quelques 54 pays, dans plusieurs pays en Afrique. Il s'est notamment réjoui du lancement des travaux aux côtés du chef de l'État de la future fabrique d'acier Made in Djibouti. Et pour sa part, le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, a expliqué sa satisfaction à cette importante cérémonie de lancement des travaux de la future fabrique d'acier de Djibouti Steel Factory. وقد هذا غير أبو دبي يا يا يبغى قادم هنا أرداسي وعند سو دويني إن كان يسوع دوان سيني وهي برو أدو كان يجي على نو أكيد بنينا أيه من دينه وحلا وهي بسمع قلي يعني فر بتون غترين يكون فر كاري غترين يا أنت ما يسميني إن شاء الله دوسيك وكل عدون تاو قدلين في قرسي إسرائيل من العيدية وكاها الحمد لله رب العالمين إليه هم بنا ارتعيقنا كل كام إيه كالبريا وباهم كيف مساري يجينا الكراء إلى بحي كريم إيان دون سمينينا سيستان كانوا إن شاء الله هنا يونا هكا جستان ونولوش وضن لولا شاهنا
dadku barto. Et nous revenons sur les séries d'interventions. En premier, le président, directeur général de la société Emirati Al-Nasser Holding Group, Cheikh Abdallah Nasser Al-Mansouri, il a indiqué que la filière qu'il dirige était déjà implantée dans quelques 54 pays, dans plusieurs pays en Afrique. Il s'est notamment réjoui du lancement des travaux aux côtés du chef de l'État de la future fabrique d'acier Made in Djibouti. Je vous propose de le suivre. Been operating steel plants for the last 22 years. At one time we produced 600,000 tons per year, and therefore come with enough knowledge and experience to make Djibouti Steel a success. The plant will be built in two phases. The first phase is 100,000 ton per year rolling mill to produce rebars and square bars for the construction industry. And the second phase. Et pour sa part, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Monsieur Elias Moussa Dawale, a expliqué sa satisfaction de prendre part à cette importante cérémonie de lancement des travaux de la future fabrique d'acier de Djibouti ou Djibouti Steel Factory. Il a notamment félicité le chef de l'État pour sa politique clairvoyante de faire de Djibouti un des principaux carrefours d'échange de l'Afrique avec le reste du monde. On écoute. Nous sommes réunis ici pour assister à la cérémonie de pose de pierre de Djibouti Steel Factory. Ceci confirmant, malgré quelques défis, l'industrialisation qui a commencé à prendre son envol dans notre paysage et tissu économique. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, le gouvernement de la République de Djibouti sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président et dans le cadre du document de référence de la politique générale intitulé Vision Djibouti 2035 vise à réduire sensiblement le taux de la pauvreté et principalement à travers la création d'emplois massifs. Par ailleurs, la stratégie quinquennale qui en découle intitulé également la SCAP, dont sa mise en œuvre d'ores et déjà visible, accorde une priorité au développement de l'industrie légère. En outre, notre stratégie offre une place de choix au secteur privé qui est appelé à devenir le moteur principal de la croissance économique dans une économie de plus en plus diversifiée, compétitive et ouverte sur l'extérieur. Le rôle de l'industrialisation dans l'élimination de la pauvreté en Afrique et dans les pays en voie de développement est important car l'industrie crée des emplois, accroît les revenus, valorise la chaîne de valeur et augmente la valeur des produits agricoles en favorisant naturellement le progrès technologique et enfin ouvre des perspectives économiques aux femmes et génère des revenus qui permettent au gouvernement de réduire, voire éradiquer la pauvreté. Lors de son intervention, le chef de l'État s'est félicité de la pose de cette première pierre pour la mise en place de la première aciérie ou Djibouti Steel Manufactory. Permettez-moi tout d'abord, au nom du gouvernement et celui du peuple djiboutien, de féliciter Al-Nasser Industrial Enterprise de cette volonté à vouloir construire une usine de fabrique d'acier, a indiqué le chef de l'État. Ce projet aura une importance capitale, a-t-il dit. Cette réalisation est un projet industriel d'envergure, a souligné le chef de l'État. Il va permettre de combler la demande croissante en matériel de construction, une demande en forte croissance dans la sous-région. La promotion des produits locaux grâce à la construction de cette usine sera aussi un atout pour le secteur du bâtiment qui est en plein boom. Le chef de l'État s'est aussi réjoui de cette première étape d'industrialisation du pays.
La diversification de notre économie a permis de changer nos pensées et adopter des mesures pour combler les besoins. Parmi ceux-là figure le facteur industriel, a-t-il précisé. En facilitant et permettant l'implantation de ce genre d'industrie, le gouvernement s'est engagé à encourager tous les investissements qui vont dans ce sens, a conclu le président Guéli. L'ihjaalo marka aan leeyahay waxa aan jeedaa in l'ihjaalada dalka iyo calanka iyo dhulka inta inuu dadku si siman si rabitaan xoogli ku jiro in ay mar walba ay l'ihjaalada u muujiyaan ay dalka ka qaban wixii xumaynayana ka hortagaan, wixii been ka sheegayana ka hortagaan, wixii niyad wanaagsan iyo tafaa'ul ama wanaagga xaggiisa rajadiisa. Nabigeenna calayhi salaatu wasalaam baa odhan jiray tafaa'alu lkhayra tajiduuh, khayrka isku bashira ama soo dhaweeya waad helaysaanay buu odhan jiray. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay warshaddaasi oo ku soo biirtay bahda warshadaha ee dalkeenna ee maanta dhagaxeeda aan dhigayno waa tuu dalku ka faa'iidaysan doono, dhalintu ka faa'iidaysan doonto, dhaqaaluhu ka faa'iidaysan doono, ganacsigu ka faa'iidaysan doono. Si gaar ah waxa aan dee isleenahay waan ku faani doonaa marka ay waxqabadkaygu soo baxo. Marka halkan laga diray la yidhaahdo waxan iyo bira intaa leeg waxaa lagu sameeyey Jabuuti baa lagu sameeyey, idinkuba waxaad ku faantaan buu noqonayaa dalku ku faano. Raggaas dee halkaa yimiday ee dhulkoogii ka yimiday ee xoolahoogii keenay ayagana in la ilaaliyo, la soo dhaweeyo, la taakuleeyo, weji fiican la tuso, intaasina idinka idinku hagaagtay dadka rarkan meelahan degayo. Waka nin baa hawshiisa ha qabsado. Wassalaamu calaykum waraxmatullah. Diplomatie à présent, le chef de l'État Ismaël Marguélé a reçu aujourd'hui en fin de matinée le premier vice-président de la République du Sud-Soudan, M. Riek Machar. Les discussions entre les deux hommes ont essentiellement porté sur la stabilisation de la situation au Sud-Soudan suite à l'accord de paix conclu entre les deux parties belligérantes, en l'occurrence le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. L'on prépare ainsi le retour du premier vice-président Riek Machar à Juba, la capitale du Soudan du Sud. D'autres points ont ainsi été soulevés lors de cet entretien, notamment la restructuration de l'armée, la formation d'un nouveau gouvernement et les questions humanitaires suite à l'exode des milliers de réfugiés ou déplacés. Le premier vice-président a été introduit auprès du chef de l'État par le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mahmoud Ali Youssouf, qui a tenu donc à l'issue de l'entrevue un point de presse. أن نعود إلى جوبا لتنفيذ الاتفاق. وجينا ننور سيد الرئيس حول هذه الخطوة. طبعا في عوائق في تنفيذ الاتفاق. نحن جينا نسلط الأضواء على هذا الموضوع لأن نحن بنطلب من الرئيس لما يكون في قمة الإيجاد المواضيع دي تناقش كيف. Je vous disais donc, le premier vice-président a été introduit auprès du chef de l'État par le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, qui a tenu donc à l'issue de l'entrevue un point de presse. Je vous propose de l'écouter.
le premier vice-président de la République du Sud-Soudan nous a rendu visite aujourd'hui, a rencontré le président Guélé afin de mettre en place avec lui un certain nombre, discuter d'un certain nombre de questions qui sont relatives à son retour prochain vers Djouba. Vous savez qu'il y a eu un accord de paix qui a été signé entre le président Salva Kiir et son premier vice-président Riek Machar. Et donc cet accord doit être mis en œuvre sur le terrain, former le gouvernement et passer maintenant aux autres questions de sécurité. Je crois que le vice-président l'a dit, maintenant il a décidé de retourner à Djouba après une absence prolongée de plusieurs mois pour pouvoir justement mettre en œuvre cet accord et les dispositions de cet accord. Il disait aussi qu'il y avait des problèmes financiers liés à la mise en œuvre de cet accord. Mais je crois que le peuple sud-soudanais attend cet accord, la paix est très attendu dans ce pays où la situation humanitaire est très difficile. Et Djibouti, à travers son rôle au sein de l'IGAD, a toujours suivi de près et puis apporté sa contribution à cette stabilisation du Sud-Soudan. Et je crois que cette visite s'inscrit un peu dans cet esprit de remerciement d'abord du rôle de Djibouti par le vice-président soudanais et ensuite sa requête à ce que le président Guélé continue à appuyer et contribuer au processus de paix et de stabilisation du Sud-Soudan. C'est l'heure de l'appel de la prière à l'Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. Alors, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a procédé donc ce matin à une cérémonie de mise en eau et de lancement des opérations d'un navire de soutage. Cette cérémonie s'est déroulée au quai numéro 1 du terminal à conteneurs du port de Djibouti. La société Red Sea Bunkering et l'autorité des ports et zones franches de Djibouti ont acquis ensemble ce navire. Ils sont actionnaires à hauteur de 45 et 55%. Ce navire va opérer dans les eaux territoriales. Il effectuera une myriade de livraisons à des navires en haute mer ou à quai. Il a une capacité de stockage de 10 000 tonnes de fuel lourd et 5 000 tonnes de gazole. Économie toujours, l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti a annoncé la signature le lundi 20 mars un nouvel accord de partenariat avec l'Académie arabe des sciences, technologies et transports maritimes. Cet accord a été fait par le chairman de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Hadi, et le vice-président d'Académie arabe des sciences technologiques et transports maritimes. Cet accord prévoit l'envoi d'étudiants employés des ports pour rejoindre dans les différents domaines d'études tels que la marine marchande, l'ingénierie et technologie, le transport international et logistique. L'objectif secondaire est de former ainsi des techniciens et cadres dans les domaines des activités portuaires. Ils vont servir dans la marine marchande et dans les futurs ports. Nous permettrait d'envoyer jusqu'à 150 étudiants à partir du mois de septembre 2016 sur 5 ans. Donc nous avons déjà eu une très bonne collaboration avec l'Institut naval d'Alexandrie depuis 2006, où on avait déjà formé les premiers pilotes et navigateurs commandants de navires au nombre de 15 personnes. Là, ce qu'on a signé aujourd'hui, c'est un nombre qui est 10 fois supérieur. On passe de 15 à 150 sur 5 ans. En bref et en image, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, a organisé vendredi après-midi une journée de sensibilisation des retraits des cartes d'électeurs en faveur des habitants d'Ambouli et de Jebel. Cette journée a mobilisé une centaine de personnes composées des sages, des jeunes et moins jeunes. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, et le député d'Ambouli et Jebel, M. Dalal Ali, ont exhorté donc les habitants d'Ambouli et de Jebel
de retirer leur carte électorale le plus vite possible et ainsi participer massivement aux élections, à l'élection présidentielle prévue pour le 8 avril prochain. Ils ont expliqué aux habitants que le vote est un devoir pour chaque citoyen. Les associations des femmes de la commune de Balbala ont organisé ce matin une exposition photo sur les projets de développement du pays initiés par le chef de l'État depuis son arrivée à l'accession, depuis son accession à la magistrature suprême. Plusieurs tableaux expliquant les périples qu'a passé le développement de Djibouti ainsi que les changements et avancées majeures de la nation ont été exposés. Ces tableaux étaient réalisés par le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications qui a fortement soutenu cette exposition pour bien montrer l'effort inlassable du chef de l'État pour la nation et son peuple. Les femmes des différentes associations que composent la commune de Balbala se sont dites satisfaites de voir ces efforts du chef de l'État qui a donné à la femme djiboutienne une place importante dans le développement socio-économique de notre pays. Écoutons à présent quelques réactions de ces participants à cette journée. En fait, quand on vit la réalisation, quand on est là-dedans depuis 1999, on ne voit pas trop la différence. Là, grâce aux photos qui ont bien été mises en valeur sur le web. Pendant qu'on est, je remercie le ministre de la Télécommunication aussi qui a eu cette idée de bien montrer la réalisation pas à pas. Là, on voit vraiment toute la réalisation faite par notre président depuis son accession au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Et on espère que ça continue ainsi. Direction Hayou, le bloc opératoire d'Obok a débuté ses activités prenant en charge les opérations génico-obstétricales pour la population locale réfugiée ainsi que la population de la ville blanche Tajoura. En effet, donc, avec tout l'enthousiasme que je vous l'annonce sur le gain de temps considérable en prenant l'exemple de Tajoura, environ une trentaine de minutes avant d'être prise en charge par le chirurgien et son équipe. Depuis l'ouverture de la porte de ce bloc, nous avons réalisé comme bilan, a-t-il indiqué le docteur, 8 césariennes, dont 3 de Tajoura, 2 réfugiés, 3 d'Obok, un fibrome utérin, 2 aspirations de fausses couches. Le docteur nous a expliqué qu'il nous est impossible d'énumérer tous les avantages de mise en fonction de ce bloc opératoire, mais nous essayerons d'en citer quelques-unes, à savoir un gain du temps considérable pour la prise en charge, désengorger donc les hôpitaux de référence nationale et la proximité des soins pour la population rurale. 4 jours après la date de l'opération césarienne, en absence des complications médico-chirurgicales, ces patientes sont transportées donc à leur domicile, Tajoura ou Obok. Voilà pour l'essentiel de ce 15 heures. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Les minutes de focus, c'est dans quelques instants. Mais avant cela, une page publique. Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce minute de focus avec nous sur ce plateau. Idriss Aouta, bonjour Idriss. Donc nous allons parler de l'actualité internationale où le président américain Barack Obama est arrivé donc hier soir avec sa famille à Cuba où il débute une visite historique de 3 jours. Aucun président américain ne s'était rendu sur l'île depuis 88 ans. Oui, bien sûr. La visite de Barack Obama arrivait dimanche soir sur l'île avec sa femme, et ses filles, et donc à bien des titres historiques. Le président américain atterrit à l'aéroport international José Martí de la Havane à bord de son avion Air Force One, événement impensable il n'y a pas longtemps encore. Il s'est réjoui dans un tweet de pouvoir bientôt aller à la rencontre des Cubains. Cette visite qui doit durer jusqu'à mardi, vise à rendre irréversible les rapprochements entre les États-Unis et les Cuba. Amorcé par Barack Obama en décembre 2014, souligne la Maison-Blanche. Les relations diplomatiques ont été rétablies en juillet dernier entre les deux pays qui continuent néanmoins d'entretenir des profondes relations. Quelques heures avant l'arrivée du président américain, les autorités cubaines
ont arrêté plusieurs dizaines de dissidents lors de l'habituelle procession dominicale des Dames en Blanc près d'une église à l'ouest de la Havane. Barack Obama, qui doit rencontrer Raúl Castro lundi, celui qui a succédé à son frère Fidel il y a presque 10 ans. Les présidents américains devaient faire dimanche étape à l'ambassade, puis rejoindre la vieille ville en longeant les Malaisons, boulevard du bord des mers havanais. Dans la soirée, ils devaient parcourir à pied les rues de la vieille Havane, classée au patrimoine de l'UNESCO, et toiletter pour l'occasion, puis rencontrer le cardinal Jaime Ortega, un des artisans des rapprochements américano-cubains. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous dire le temps fort de cette visite du président américain Barack Obama? Et bien évidemment, le temps fort de la visite du 44e président des États-Unis sera le discours qu'il prononcera mardi dans un théâtre de la Havane devant un public sélectionné et les caméras de la télévision cubaine. Samedi, le président Obama s'est prêté un jeu d'un petit sketch avec les célèbres humoristes comme le savant cubain Panfilo, mis en ligne par l'ambassade américaine. La vidéo a été diffusée dans la soirée par la télévision d'État, provoquant l'étonnement de nombreux Havanais. Dans la capitale cubaine, si l'effervescence est palpable, beaucoup de Cubains ayant grandi pendant la guerre froide bercée par les diatribes anti-impérialistes de Fidel Castro, peinent encore à réaliser que l'impossible est en passe de se produire. L'écrivain Leonardo Padura a confié dans les blogs d'information Café Fuerte, un président des États-Unis à Cuba, probablement accueilli avec des sourires, des applaudissements et des groupes musicaux. Jamais dans nos rêves ou nos cauchemars, nous n'imaginons voir quelque chose de tel de notre vivant. Malgré l'engouement autour de ces déplacements longtemps impensables, l'embargo imposé à l'île depuis 1970 reste en place et le changement espéré par Washington pourrait tarder à se concrétiser. Jeudi, le ministre cubain des Affaires étrangères a rappelé que la Havane n'était pas disposée à renoncer à un seul de ses principes pour avancer vers la normalisation. De son côté, la Maison-Blanche a décrété ces derniers mois une série de mesures pour assouplir l'embargo dont la levée totale dépend du Congrès. Donc nous suivrons donc ces informations de très près. Autre actualité, automobile, Égypte, une usine donc locale produit le double de cœur londonien. Oui, la firme égyptienne MCV ou Manufacturing Commercial Vehicles est la seule usine installée hors d'Europe autorisée à produire cet autobus qui fait la fierté de la capitale du Royaume-Uni. Le célèbre bus à état rouge londonien double decker est désormais produit en Égypte. 60 exemplaires hybrides conformes à la norme européenne d'émission des gaz Euro 6 sont en cours d'assemblage dans l'usine de la firme MCV. Destiné au marché londonien, cette bus n'a rien à envier à ses fabriqués en Occident sur le plan technologique. Il émet 96% de dioxyde d'azote en moins par rapport à la version précédente. Ce bus est un hybride, ce qui signifie qu'il fonctionne aussi bien avec le diesel qu'avec l'électricité. C'est un modèle Euro 6 et dispose de la technologie d'émission la plus perfectionnée au monde qui nécessite un certain type de gaz. Il fonctionne soit au diesel ou à l'électricité en fonction des conditions du voyage de la route. C'est la première fois qu'il est fabriqué et assemblé en dehors de l'Europe, ce qui explique Rafik Nabil, directeur de l'assurance qualité chez MCV. C'est en 2011 que MCV a démarré sa collaboration avec Transport of London. Leur accord consiste à produire des autobus d'une capacité de 63 places assises et 19 debout. Au total, 500 double deckers seront assemblés. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu l'histoire des double deckers? Le double decker a été conçu d'abord en 1947 pour remplacer les trolleybus datant de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il fait partie des attractions de la capitale anglaise. Fondée en 1994, la MCV a commencé par l'assemblage des camions des géants allemands Daimler avant de se lancer dans la production des autobus. La firme égyptienne en exporte environ 6 000 chaque année dans le monde entier. Merci Idriss pour ces précisions. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon suivi du programme sur Télé-Djibouti.